en Jésus-Christ. Il fait nos chefs. Il a fait de nous un royaume du sacrificateur pour Dieu son Père. Amen. Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nourrir. Il dit, comme ça, qu'il va saisir ses pas, on va parler de nouvelles langues. Et puis, il dit, on va poser mes sous malades, malades guéri. Alléluia. Et nous bâillons le Seigneur gloire, nous dit bon Dieu merci pour faveur li matin, li accordé nous. Il y a bagay m'a dit ou même qui sur YouTube, qui sur Facebook, depuis où ou connecté ensemble avec nous, c'est cantique ciel ou attendé. Bon, c'est pas cantique ou mandé bon Dieu les choses matérielles, yo tout important, mais c'est cantique ciel. Focus nous c'est ciel, li pa l'autre bagay. N'a pas encouragé pour aller à l'école, pour marier, pour ne pas vivre dans le péché, pour travailler, pour faire business. Mais il faut qu'il se lance, c'est ciel. En d'autres termes, n'a préparé des âmes pour le ciel et des hommes, des femmes pour la terre. C'est conception ça que nous gagnons. Et alors, même qui connecte ensemble avec nous, c'est l'évangile, ça va jouer, n'a prêché chaque jour, ou même qui sur YouTube, qui sous Facebook, c'est l'évangile ça. Et yon a un personnage qui c'est point central, qui est essentiel pour nous dans le message, nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui met l'évangile là. C'est lui-même nous a présenté chaque jour. Et dans tout message que vous avez joué, Pasteur Jameson prêché, n'importe côté que nous y est, vous avez joué que c'est Jésus-Christ qui a l'honneur. C'est le même qui méritait toute gloire. C'est le même qui méritait toute louange. C'est le même qui méritait toute adoration. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, le grand architecte de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. On doit confesser avec bouche que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Et pas gagner dans l'autre nom que ou capable de trouver le salut que le nom de Jésus-Christ. C'est seulement dans le nom ça ou qu'a trouver le salut. Salut. Ou pas joindre ça dans nos disciples, ou pas joindre ça dans nos prophètes, ou pas joindre ça dans nos pasteurs, dans nos évangélistes, ou joindre ça dans le nom de Jésus-Christ, le roi des rois, le rédempteur, le sauveur de l'humanité. Alors nous baillons le Seigneur gloire, dès qu'il fait nos grâces, nous capables réunis aujourd'hui, hein, pour nous capables glorifier non. C'est ça le dit. Il dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Et dévise-nous, c'est pour nous lever le nom de Jésus-Christ, descendre drapeau diable, avec toute immoralité, avec toute criminalité, toute méchanceté, pour nous lever drapeau le Seigneur Jésus-Christ. Nous dit, bon Dieu, merci pour ça. Et pour l'évangile, ça que Libanou. Libanou, l'évangile, gratis, nous pas payé pour lui. Il dit de la même façon. Jean que nous recevons l'évangile là, c'est pour nous bailler gratis, puis gars nous toucher. Ça fait que ou même qui bail offrande, qui bail dîme, qui bail don volontaire dans travail là, ou pas bailler à pasteur, ou bailler à Jésus-Christ, il prend le personnellement. L'agent ça apprend soin travail bon Dieu. Depuis dans l'Ancien Testament, tout le monde qui était qu'on a porté dîme offrande, n'importe saleté, sacrifice, l'Éternel prend personnellement. Sacrificateur, il recevoir. Non. Mon Dieu prend personnellement. À ce moment, gloire à Dieu, son bel geste. Alléluia. Avec, nous encourager, ou même qui en live, nous pas parler avec les gens qui sont convertis, nous parler avec les gens qui sont convertis. Moun ki fait l'argent dans bonne condition.
ou même qui t'a remé bail, ou même qui t'a remé et aider œuvre bon Dieu pour avancer. Et parce qu'on connaît que pour nous prêcher l'évangile là, pour aller partout, ou bien pour utiliser des ustensiles, des matériaux, ça coûte l'argent, ou capable d'aider dans ce sens. Gloire à Dieu. On a tout moyen comment vous capable de supporter ce travail là. Il y en a pareil que vous capable d'utiliser, moi vous utiliser, vous capable d'aller sur le site ça, qui c'est jamesonfrange.com, réellement important, ou capable de supporter le travail là pour la gloire de Dieu. Vous êtes mettre en France, Canada, États-Unis, n'importe côté dans le monde là, faites ça pour la gloire de Dieu. Oui, il y a un bagage qui toujours mettre accent fort chrétien. Nous pas prendre l'argent dans même monde qui pas chrétien. Ou même qui pas chrétien, nous demander pour offrir tête à Jésus-Christ comme une offrande. Alors que offrir tête à Jésus-Christ, faire tête au cadeau ça. Remettre Jésus-Christ la vie parce que c'est le même qui est capable de gouverner, diriger la vie et lorsque on bail Jésus-Christ la vie tout, la vie assurée, demain assurée, futur assurée. Lorsque me dit futur, m'a parlé de l'éternité bienheureuse, l'y assurer. Et même futur sur la terre, l'y assurer. Lorsque by Christ la vie ou protéger ou garder. Si ou ta mouri là, ou connaît que ou al joindre le Seigneur Jésus-Christ. Ou si trompette la sonne, ou a gain opportunité pour capable transformer à un corps glorieux, même j'ai avec tous les membres de corps de Jésus-Christ pour nous capables à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Dans les airs. Alors nous baillons, Seigneur, gloire matin. Et nous disons merci pour la présence d'abord. Et pour vous-même qui là avec nous, vous-même qui rendez là. N'importe côté qui vous et nous pas oublier, saluer l'église avec Shekinah Tabernacle, qui est pour ça, qui dans Las Américas, Santo Domingo, dans la capitale. Nous saluons tous les ouvriers, tous les membres de cette assemblée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est FM, tiens FM, ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Mettez en pile principe soutien pour nous, s'il vous plaît. Et préférez nous ouvrir un bâton tant que vous faites briller dans le temple. La Bible dit l'Éternel est dans son saint temple que toute la terre facile soit sorti avec vous. Bon Dieu dans le temple, la Bible dit que toute la terre facile devant l'Éternel des armées. Et non pas oublier saluer aussi Kembousan ça qui dans Gomon l'église avec Shekinah Tabernacle. Nous saluer tout ouvrier et pasteur yo et qui collaborer avec nous pour la gloire de Dieu. Et non pas oublier n'abdi tout le monde qui supporte travail ça dans prière économiquement n'importe façon que bon Dieu met sous cœur. Non remercier pour ça. Que bon Dieu continue bénir, que bon Dieu continue faire grâce pour travail ça qui ou collaborer avec nous. Et comme on connaît d'habitude, travail nous c'est continuer n'a continuer travail là. C'est pas commencer n'a commencer travail ça que n'a fait, mais n'a continuer travail là. Nous gon mission nous crisement nous mission hein. Pour nous prêcher l'évangile dans le monde entier, il dit allez faites de toutes les nations des disciples. Ces missions ça que le banou, ces missions ça que nous gagnons pour nous aller tout partout dans le monde entier. Bien côté que nous pas arriver, mes messages nous arrivent, paroles nous arrivent, vidéos arrivent, gain monde qui tendait message et bien côté tout c'est aller pour nous aller physiquement, même gens que nous t'es déplacé pour Haïti, nous déplacer et nous allons différents côtés. Nous bah bon Dieu gloire pour ça. Et si on a raison à dire, supporter ministère ça façon bon Dieu mettez sur cœur pour nous capable de traverser ça pour la gloire de Dieu. En matin, nous a continué parler de série d'enseignements ça que nous avons parlé de lui. Dans ce maintenant, nous t'as parlé de tribunal de Christ. Nous te fait connaître tous les chrétiens, tous les sauvés. Nous pas seulement rentrer dans le ciel, vous rentrez dans le ciel, mais dans ce ciel-là, il y a un côté que Christ, lorsqu'il finit prendre nous, on l'a tenu nous dans les airs, et puis il finit prendre nous, la lance ensemble avec nous. Il prend dans le tribunal ensemble avec nous. Dans le tribunal de Christ, c'est là que il y a
pile question qui pral poser, gen pile ral les oreilles, on bon, gen pile en explication moi même ensemble avoir pral bay façon que nous ta vivre sur la terre, lieu ça, c'est pas un yon lieu côté que Christ pral juger pour péché, alors que pour aller dans l'enfer. Non, c'est un lieu côté que Christ pral raler oreilles ou gen bagaille que ou ta supposé faire ou bien ou t'es fait, malgré demander bon Dieu pardon, il pardonné ou, mais il y a une question pour le poser, pour qui ça, on te fait ça, pour qui ça. Et dans le lieu, ça tourne dans le tribunal de Christ. Là, nous allons recevoir des récompenses. Et il y a une chose que la Bible dit comme ça que nous allons recevoir dans le ciel, là, à part de récompenses, des couronnes. Nous allons parler de couronnes matérielles. Il dit dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2. Le verset 17, Apocalypse, ouvrez Bibou. Apocalypse, chapitre 2, le verset 17, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Amen. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est ça, il dit que celui qui a des oreilles entende. Là, il a parlé avec l'Église. Là, l'Église ouvre les oreilles. Ou même qui tendait le message de la parole de Dieu. Ou même qui a prêché la parole de Dieu. Ou même qui s'est chrétien. Ou même qui s'est racheté, élu de tous les temps. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Là, Christ a parlé avec les vainqueurs. Tous les sauvés, tous les rachetés de tous les temps, ce sont des vainqueurs. Nous, c'est vainqueurs. Moi, c'est un vainqueur. Nous sommes, qui ça? Des vainqueurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne peut nous arrêter car la victoire est à nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que, il dit à tous les vainqueurs, il dit, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom. Gagnons un nom qui est réservé pour tous les vainqueurs. Guillaume qui est réservé pour moi. Ça fait que moi prêcher l'évangile là avec toute force moi. Moi prêcher l'évangile là avec toute âme moi, tout l'esprit moi, tout corps moi et à toute poche moi. Parce que récompense moi, vraie récompense moi, il n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Vraie récompense mon frère, ma soeur, il n'est pas sur la terre, mais il est dans le ciel. Il dit sur ce caillou est écrit un nom nouveau, alors que gagne un nom que ou gagne, un nom spirituel. Ce n'est pas un nom biologique que maman, papa baille, que vous pral gagne dans le ciel. Mais c'est un nom spirituel. Même gens que nous gagne pour nous recevoir, un corps spirituel, un corps incorruptible. C'est de la même façon, nous gagne pour nous recevoir, un nom spirituel. Ok, nom ça, c'est ou même cap. C'est ça qu'elle dit, sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est ou même qu'on connaît ça avec Métou, avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Mathieu, question moi, pour ou même qui l'a, pour ou même qu'on attendait nos Mathieu, quelles sont les couronnes célestes que les croyants recevront au ciel? Quel genre de couronne que chrétiens ont? Croyant, les sauver gain pour recevoir dans le ciel. Qui genre de couronne? La Bible dit le Nouveau Testament fait mention de cinq couronnes célestes. Le Nouveau Testament. Capable de gagner plus toujours. Pendant que moi dis cinq, capable de c'est cinq, mais ça que nous voyons, c'est le même nous dit. Il fait mention de cinq couronnes. Couronne ça, pour le bail, on va nous comme récompense au quoi? Au croyant, quoi ne sa yo pas bay à n'importe moun. Quoi ne sa yo a bay au quoi?
aux croyants, aux sauvés, aux élus de Dieu, aux rachetés. Et nous avons le thème, grec traduit par couronne, est Stéphanos, racine, qui se racine non du nom d'Étienne, le martyr, et qui signifie un signe de royauté pris lors des jeux publics ou plus généralement symbole d'honneur. La Bible, selon l'histoire, des couronnes étaient employées pour les jeux grecs antiques, côté que le vainqueur portait une couronne de laurier. Moun qui était vainqueur, il était toujours mettait une couronne de laurier sur la tête en récompense de sa victoire à une compétition. Moun sportif, moun qui connaît fait sport, moun athlète, moun sa yo, yo te kon ba yo de couronne de laurier en récompense. Yo te kon met couronne sa yo sous tête yo parce que yo pour bon travail que yo fait, est-ce que yo combat, yo bon combat, et moun sa yo, yo te kon ba yo couronne de laurier. Alors, cet honneur athlétique est employé dans le Nouveau Testament comme une image des récompenses célestes promises par Dieu aux fidèles. Style ça, façon ça, que grec dans l'Antiquité qu'on utilisait, qu'on employait. Ben la Bible dit comme ça que selon l'histoire et selon la parole de Dieu, même façon ça que la parole de Dieu utilisait image ça pour capable démontrer. Comment que nous pourrons recevoir des couronnes dans le ciel. Et même aujourd'hui, ou même qui toujours a regardé le football, l'autre jeu qui gagnait, ou toujours à la fin, des fois c'est deux équipes et qui vont recevoir des couronnes et qu'on gagne un joyau qui vont à l'honneur. Et c'est comme ça, il y a qu'on baille des couronnes, il y a qu'on baille aussi une somme d'argent. Alors, de la même façon pour moi-même, ensemble avec vous. Alors, nous avons le texte qui décrit le mieux l'octroi de ces couronnes. Et c'est 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24, 25. Nous pourrons, qui pourra parler nous de en première couronne. 1 Corinthiens. Chapitre 9, regardez rapidement, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 25, il dit, ne savez-vous pas que les concours dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le pari. Il y a un pile moun qui a couru dans ce stade-là, il y a un pile moun qui a couru, mais il y a un seul moun qui a pour remporter le pari. Matin, c'est pour mettre dans la tête que vous avez pour remporter le prix. Même Jean, apôtre Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il dit, courez de manière à le remporter. Mais ça vous met dans la tête. C'est comme ça, pour activer penser comme ça, pour focus comme ça, courez de manière, ça le dit oui, courir de manière à le remporter. Wap courir, mais wap courir pour remporter. Couronne ça. Pour remporter victoire. Kage des millions en deux mouns qui ont couru. Ça pas regarder. Mais ou même Jean Colab dit, le salut est personnel. Ou, nous qu'on a regardé moun qui ont couru, moun qui ont fait coussu. Nous avons mis moun dans la frère, moun dans la, mais moun a mis dans la tête. Li. La courir de manière à le. Au monde, la courir de manière à le remporter. C'est lui-même qui peut gagner victoire. Eh bien, c'est de la même façon, la Bible voulait pour que ou met comme maillot, ou maintenant l'esprit, n'importe qui qui l'a, mais ou même, c'est pour qu'on ait aussi un gagnant. C'est ou même capable de remporter prix ça. Il dit tous, il dit tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Tout athlète,
Yo a couru pour une couronne qui capable faire qui ça, qui capable détruire. Une couronne qui capable craser. Une couronne qui capable faner. Même ensemble avec vous, nous a couru pour une couronne qui pas qu'à craser, qui pas qu'à détruire couronne ça, c'est couronne indestructible. La Bible dit comme ça que ce passage rappelle ce que dit Paul de la couronne de laurier de l'athlète qui sera vite fané et détruit. Il n'est pas ainsi de la couronne céleste. Couronne céleste là n'est pas fanée. Couronne céleste là n'est pas détruite. Couronne indestructible là n'est pas détruite. Tenez ça, la parole de Dieu dit. Dans 1 Pierre chapitre 1er, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3, 5. Si nous persévérons fidèlement, nous recevrons une récompense qui est un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Amen. Si nous persévérons fidèlement, il y a des gens qui ont persévéré, mais ils ne sont pas fidèles. Ils ont vu l'église, c'est vrai. Ils ont vu la veille de nuit, c'est vrai. Ils ont vu la dîme. Moun pas offrande, mais moun pas fidèle. OK, pour nous persévérer, il faut fidèle. Ville l'église pas vle dire fidèle. Est-ce que t'entendez? Ville l'église pas vle dire que ou fidèle. Bay offrande, bay dîme, pas vle dire que ou fidèle. Pour nous persévérer, ou doit fidèle. OK, ou doit pas baigner dans immoralité. Bon, ou doué, pas nous parler moun mal. Ou doué fidèle. Ou doué qui mette tout. Ou doué pas coucher. Ou moun, avec moun, qui pas madame ou qui pas mari ou. Ou moun, ou pas doué, dans boîte ta fia. A vide ta fia dans stomac ou pour détruire ou. Ou moun, ou pas doué. Ou moun, ou doué dépouiller ou doué déshabiller ou. De toute œuvre, la chair. Il y a un dépouillement qui doit faire. Il y a un vice que vous avez gagné, vous devez quitter le vice. Il y a une coutume que vous avez gagné, vous devez quitter la coutume. Ok, vous devez, on ne peut pas persévérer, mais vous devez être fidèle de la paix, de la persévérance. Parce qu'il y a de fidèle de la persévérance. Fidèle, on doit fidèle dans la persévérance. La parole de Dieu dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais dans la persévérance, Guillaume Baraï, qui est important, c'est la fidélité. Dans la persévérance, sois fidèle. Ote a dit, fidèle jusqu'à la mort. Okay? Lorsque vous dites, vous ne pouvez pas aller dans la boîte de nuit encore. Si vous persévérez, faut pas aller dans la boîte de nuit. Je ne peux pas regarder pornographie encore. Si vous persévérez, ou pas de regarder pornographie. Ou pas de faire des choses qui ne sont pas bon. C'est ça que le fidèle là, ou fidèle dans toutes ces choses. Lorsque vous avez l'argent dans le monde, vous avez l'argent pour le monde, vous êtes fidèle là-dedans. Vous avez 10 dollars pour le monde, vous avez 10 dollars. Vous êtes fidèle, vous êtes juste. Pour nous persévérer, vous êtes juste, vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ne sont pas fidèles. Il n'est pas fidèle dans ça au bali pour le bail moun, dans ça au bali pour le séparer. Il n'est pas fidèle avec peut-être pas li nos séries de petits détails. Okay, ou qui doit persévérer vraiment, ou pas sauver, ou pas recevoir couronne ça. Okay, ou doit être fidèle. C'est ça qu'elle dit. Si nous persévérons fidèlement, nous recevrons une récompense. Il y a des gens qui ont une apparence fidèle, mais ils ne sont pas fidèles vrai. Gen moun ki bay apparence yo fidèle, yo pa fidèle. Yo montre yo met un série de rade pour bon faire bon pour ka wè se bon moun, yo pa bon moun re. Bon, yo pa bon moun. Ce sont des Diotref, ce sont des Janès et Jean Bresse, ce sont des Judas, yo pa bon moun ou de fidèle. Si nous persévérons fidèlement, nous recevrons une récompense qui est une héritage. Un héritage qui ça qui ne peut ni se détruire, un héritage qui ne peut pas détruire, un héritage qui ne peut pas souiller, un héritage qui ne peut pas détruire, un héritage qui ne peut pas souiller. Ça fait que Christ dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 19, il dit
Jésus nous exhorte à ne pas amasser des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Que, si que, faut garder ou faut qu'il soit sur la chose de ce monde, au monde, ou faut qu'il soit sur l'argent, sur l'or, sur le diamant, au monde, gen bagay ou pas capable de recevoir dans le ciel, là, couronne ça, ou pas capable de recevoir. Avec que, ou doué, persévérer parce que l'argent qui a retiré faut qu'il soit. L'argent qui a retiré faut qu'il soit. Immoralité qui a retiré faut qu'il soit. Criminalité qui a retiré faut qu'il soit. En pile bagaille qui a retiré faut qu'il soit pour pas recevoir couronne indestructible ça. Couronne ça, les pour les vainqueurs. Les pour monde qui sauve, les pour monde qui travaille. Deuxième type de couronne, c'est la couronne de justice. Dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me la donnera ou me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé ou attendu avec amour ça. Ça vient où? Son événement. Une couronne de justice, ce n'est pas tout le monde qui recevra couronne ça. Nous héritons cette couronne par la justice de Jésus-Christ, sans laquelle elle ne peut être obtenue. Nous ne sommes pas capables de recevoir couronne de justice avec propre force par nous, avec courage nous. Mais nous recevons l'I par rapport à qui ça? Par la justice de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous recevons couronne ça, monde qui lâche pas recevoir. Monde qui est juste pas recevoir couronne ça. Monde qui pas respect pour bon Dieu pas recevoir couronne ça. Monde qui a fait monde mal pas recevoir couronne ça. Monde qui a fait méchanceté pas recevoir couronne ça. Non. Ou même qui a fait méchanceté, on monde avec monde couronne ça ou pas recevoir couronne de justice. Même si c'est madame ou on doit vivre en menant vie de justice. Même si c'est petit tout, même si c'est monde qui travaille ensemble avant, on doit vivre juste ensemble avec parce que vous soyez juste par rapport à justice, à sacrifice de Christ. Quand ça, c'est pas tout le monde qui a recevoir. Quand ça, le monde qui a arrogant pas recevoir, quand ça. Non, paresseux pas recevoir couronne de justice. Au monde, si que vous regardez, si que vous paresseux, couronne de justice, pas pour vous. Par notre persévérance, face au découragement, à la persécution, à la souffrance ou même à la mort, nous avons la certitude de notre récompense éternelle en Christ, selon Philippiens, chapitre 3, verset 20. On nous dit certitude de récompense ça, pendant que nous ne pas découragés. Malgré que nous ne sommes pas découragés. Nous ne pas lagués. Mais nous avons certitude en Jésus-Christ, nous avons pour nous récompenser. Alléluia, ou même qui a souffert pour Christ, ou qui pour récompenser. Ou même qui a humilié pour Christ, ou qui pour récompenser. Ou même qui a parlé mal pour Christ, ou qui pour récompenser. Cette couronne n'est pas pour ceux qui dépendent de leur propre justice. Si vous dépendez de propre justice, couronne ça pas pour une attitude qui n'engendre que l'arrogance et l'orgueil. Par le désir d'être avec le Seigneur. Couronne ça pas pour si que ou dépend de propre justice ou si que ou dépend de propre pensée ou si que ou dépend de propre tête ou couronne ça pas pour. Parce qu'on sont méchants, couronne ça pas pour, mais couronne ça pour monde qui juste. Monde qui a servi bon Dieu, juste. Monde qui a fait travail là, juste. Monde qui bat adoration, Jean Lia. Monde qui sincère avec caillou. Pour les adorations, ça que vous baillez, lui sortit dans son cœur. L'argent, ça vous baillez, lui sortit dans son cœur. Vous baillez, bon Dieu, il y a un bagaille qui sortit dans son cœur. Ou sont justes. Troisième type de couronne, c'est la couronne de gloire. Selon 1 Pierre, chapitre 5, le verset 4. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire. Qui ne perd jamais son éclat. Ça passe, couronne de gloire, pas perdu, éclat. Le thème gloire est intéressant car il se réfère à la nature même de Dieu et de ses actes et implique sa grande splendeur et son éclat. Okay. Thème ça, mais bien aimé,
selon un verset que nous sommes liant, il réfère à la nature même de Dieu. Gloire. Alors que c'est ça qu'il nous toujours dit, Christ partageait gloire ensemble avec nous. Première gloire que Christ partage ensemble avec nous, il mourit, il ressuscité, et puis il fait une grâce, nous mourir, nous ressusciter. Il partage gloire avec nous. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vit pas de vous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Dans le verset 6, dans Éphésiens 2, 6, il nous a que, il nous a fait asseoir avec, il dit comme ça que, il nous a fait, il nous a ressuscité. On monte ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Que lorsque vous faites par Christ la vie, vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et maintenant la vie en tant que chrétien et puis vous baptisez, vous plongez dans les eaux du baptême. Lorsque vous plongez au lit, signifie la mort. On monte, vous mourrez avec Christ. Lorsque vous levez, vous symbolisez. Au moment de la résurrection, ou ressuscité avec Christ. Alors que Christ, qu'on y a là, ça fait que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ dans Galates 2. J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puis il dit comme ça que je vis en Christ par là, par la foi. Tout l'est sauvé. Tous les croyants de tous les temps, nous vivons dans Jésus-Christ par là, par la foi, que Christ partageait gloire avec nous. Nous commençons à anticiper la gloire de Jésus-Christ. Ou même qui chrétien, vous commencez à anticiper là, la gloire de Jésus-Christ. Souvenez-vous d'Étienne, qui l'a pidé à mort, a regardé au ciel et vu la gloire de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, 55-56. Pour lapider Étienne. Man, il a crasé Étienne avec coutroche. Et puis Étienne nous fait une déclaration. Il dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-yo. Au moins, même parole Christ dit, pardonnez-yo avec les chrétiens. Ou même, que Christ partage gloire ensemble avec vous, ou de gros esprit de pardon. Soit vivre dans la gloire, ou pas vivre dans la gloire, ou de gros esprit de pardon. Étienne de grand esprit de pardon. Il dit, Père, on m'a pardonné yo. Parce que ça y a fait, yo pas connel. C'est diable qui a utilisé yo. Yo innocent. On m'a pardonné yo. Et puis là, il dit, Étienne, ouais, la gloire de Dieu. Lui, ouais, ciel l'a couvert. Pendant ciel l'a couvert. Et puis, ouais, Christ qui debout. En tout cas, qu'est-ce que cela veut dire, Pasteur Dimson? À chaque fois, yo chrétien, yo soldat. Alléluia. Fin de travail. Jésus-Christ, campé pour le recevoir. Les nap travaillent sur la terre, il dit comme ça que, m'a ensemble avec nous. Amen. Nap travaille en bas autorité, nap travaille en bas puissance. Il dit, mes puissances qui vont accompagner vous, ou même qui croient, que gloire toujours couvre, oui. Ça fait que les chrétiens, lorsque Edmé nous attaque une fois, lui est invisible, imperméable, intouchable. Qui ça, nous dans la gloire de Dieu. Il n'y a pas qu'à voir, il n'y a pas qu'à toucher. Mais à chaque fois, au moment où on est là, lorsqu'on fait un travail, qu'on y a ou qui pour jouer une Christ dans la gloire, et puis regardez, faire grâce, et puis là, montre où qu'on prend là. Mais qu'on prend là, ou pas bien faire qu'on saute, ou assurer. Amen, nous l'église. Demain nous assurer. Demain nous assurer. Parce que nous sommes monde qui va vivre dans la gloire. Christ déjà partagé gloire ensemble avec nous. Tenez bien ça, l'Éternel dit. Ce thème signifie aussi que la louange et l'honneur que nous rendons à Dieu. Pour ce qu'il est dans Esaïe, dans Esaïe 42, dans Esaïe 42, verset 8, dans Esaïe 48, verset 11, dans Galates, chapitre 1, verset 5, dans Esaïe 42, verset 8, l'Éternel dit, je suis l'Éternel des armées, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à une autre, ni mon honneur aux idoles, mais à nous les sauver, à nous les racheter de tous les temps, à nous les vainqueurs, les rentrer dans la gloire. Alléluia. C'est un style de vie. C'est un premier style de vie que les chrétiens prennent vivre dans le ciel. La gloire de Dieu. Ça fait que nous devons chanter. Bien, pas nous, pas ici bas. Lorsque les gens ont pile l'argent sur la terre, nous avons bien mené avec eux, nous vivent dans la gloire. Mais gloire, ça, c'est pour un titan. Tout ça qui
lorsque on dit gloire, son bagaille qui brille, son bagaille qui regarde yon éclat, son bagaille qui regarde qui gon splendeur, mes bien-aimés, qui brille. Eh bien, moi-même, ensemble avec vous, nous bral vivre dans la gloire avec le Seigneur Jésus, Jésus-Christ. Depuis sur la terre, nous commençons à anticiper gloire ça. L'Éternel dit, je suis l'Éternel, les amis. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à une autre, ni mon honneur aux idoles. Eh bien, moun qui sauvé, hein, li pas adoré Bouddha, li pas adoré Mohamed, li pas adoré d'autres dieux, mais adoré le Dieu des cieux, le créateur, l'architecte de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bon Dieu qui baille la vie, hein, bon Dieu qui restaure. Hein. C'est bon Dieu ça que nous adorons. Les croyants sont richement bénis de pouvoir entrer dans le royaume et recevoir la couronne de gloire. À l'image même de Christ, comme l'a dit Paul, j'estime que la souffrance du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Selon Romains chapitre 8, verset 18, alléluia. Souffrance n'a pas sur la terre, pas qu'à comparer avec la gloire que ça fait pour. Tu t'es fait mal, tu parlais mal. On va passer quelques moments sans manger. Il y a persécuto, on va faire un travail. On va faire un persécuto, un diable racial, une maladie. Oui, il n'y a pas qu'à comparer à la gloire que Christ réservait pour nous. Ça fait que les hommes de Dieu, ou bien les servants de Dieu, ont couru des fatras sur la terre. Ça fait bon Dieu mal. On va nous vendre un homme pour fatras. On va faire tête pour manger. Ou avant tête ou pour manger, ça fait bon Dieu mal. Parce que bagaille bon Dieu réservé pour nous. La gloire que Christ garde réservée pour nous, c'est bagaille tête chargée. C'est bagaille extraordinaire. J'estime que la souffrance. En tout cas, lorsque je dis j'estime, je dis que moi fais un calcul. Moi fais une estimation. Moi fais un calcul. Que bagaille, que souffrance n'a pas de moment ça. Douleur n'a pas de moment ça. Au moment de maladie n'a pas de moment ça. Personne qui sont en Dieu dans le moment ça, au moment où il n'y a pas qu'à comparer avec la gloire, au moment que Christ lui-même a lui a réservé pour nous dans le ciel. Ça veut dire que je travaille pour Christ dans le voyage. Je travaille de porte comment moi. Alléluia. Je suis bouché souvent dans le chemin. Mais je travaille jusqu'à la fin. Je ne parle pas de mal. Je travaille jusqu'à la fin. Je ne critique nous. Alléluia, je travaille jusqu'à la fin. Je ne pas. Comprenons-nous, nous travaillons jusqu'à la fin. Diable à la guerre, nous travaillons jusqu'à la fin. Parce que nous avons une couronne de gloire que Christ peut mettre dans la tête nous. Amen, nous l'église. Nous avons une couronne de gloire. Et bien, tout le monde qui peut recevoir une couronne, ça. Alléluia. Apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne. Alléluia, mais réservé. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Combattre le bon combat. Alléluia. Pendant sur la terre, mes bien-aimés. Nous sommes des combattants, des combattantes. Alléluia. Nous combattre le bon combat. Le combat de la foi. Alléluia. On t'a dit sur les pas du ce modèle. Nous marchons. Alléluia. Oh, alléluia. Sous pas Christ là. Alléluia. Jean-Christ est qu'on marche. C'est comme ça nous marchons. Parce que premier modèle, nous, c'est pas apôtre Paul. Premier modèle, nous, c'est pas apôtre Pierre. Premier modèle, nous, c'est pas Philippe. Premier modèle, nous, c'est pas les prophètes. Mais premier modèle, nous, c'est Jésus-Christ. Premier imitateur, nous, c'est Jésus-Christ. Quand elle met. Bien, l'admet bien. Apôtre Paul, lorsque nous que pour nous imiter, imiter personnage qu'elle portait, imiter personnage qu'on est dans là, imiter l'évangile l'a fait, prier, je le prie, adorer, je l'adore, prêcher l'évangile, je le prêche. Afin qu'elle prêche l'évangile là, sans réserve. Apôtre Paul, on a prêché avec Hadies. C'est comme ça nous prêche. Je ne vois pas, c'est Jean Baoul. Nous ne pas prêcher l'évangile pour garder pour les amis ensemble avec nous. Nous ne pas prêcher l'évangile. Nous ne pouvons pas faire gros dîmes, nous ne pouvons pas faire gros offrandes. Nous ne pouvons pas faire gros offrandes. Nous prêchons lui pire toujours. C'est pour aller dans le ciel. Avec des bagailles, mon Dieu réservé. Ce n'est pas pour bêtes, c'est pour nous. Mon Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Il crée l'enfer pour Satan. Ça fait que mon Dieu mettait des hommes campés dans tout ça. Il mettait un campé pour nous prêcher l'évangile là.
Il y a plein de monde qui commence à la guerre pour l'évangile la terre. Mais nous-mêmes, bon Dieu, mettez une campagne pour nous prêcher pour l'évangile là. Que l'on vive ou que l'on meure. Nous pas dire ça y est. Nous prêchons l'évangile. Qu'on garde, qu'on pas garde, nous prêchons l'évangile. Parce que devise là, c'est sauver l'homme. C'est l'homme qui a sauvé. Il fait autant. Côté que, au moins, pour camper en tant que vrai soldat, pour sauver l'homme pour Christ. Pour pas être pau. Mais pour être Christ. Gondam. Bon Dieu Mandel, laisse ça dans Queens. Bon Dieu Mandel pour aller à Haïti dans mission. Bon Dieu voit un message balé à plusieurs fois. Il dit, il n'y a pas qu'à aller. Bon Dieu voit écouter encore. Il dit, il n'y a pas qu'à aller. Ça fait ça. Il dit, oh, il y a petit à petit, lio. Les petites là, le travail. C'est lui-même qui prend soin. C'est lui qui est à Timounio. Bon Dieu, pas de bagages, ça, on s'en va voir. Là, le palais, c'est fini. Bon Dieu, d'où courir, c'est courir, d'où marcher, marcher. Chaque jour, ça. Et puis, une maladie, cancer qui vient tomber sous les capes, dévorer. Et puis, nos révélations, on sait, les cellosines. Pendant le ouais, c'est là, à regarder, à souffrir. Et puis, il levait même pour la demander grâce pour la prière. Il était nouveau qui dit, non. Il va bien demander grâce pour lui. Il est en bas des obéissances. Et puis, il voit comme ça que, venez me montrer. Et puis, les gars de servante là, ouais, il y a un nuage qui sortit directement dans le ciel là, et puis qui couvrit sur la terre. Il dit, il n'y a pas même besoin de prier pour lui encore. Et lorsque le monde mourit comme ça, il mourit dans des obéissances, pas de ciel pour vous. Le bon Dieu dit chita chita. Le bon Dieu dit marcher marcher. Yo qui doit pas comprendre nous. Zami qui doit pas comprendre nous. Famille qui doit pas comprendre nous. Moun qui doit pas comprendre nous. Mais ou qui compte à ran. Le bon Dieu frappe, c'est où la frappe. Le bon Dieu parle ensemble avant. Tendez. Ou bon, tendez. Famille avec Abraham. Ou bon, obéissant comprendre. Lorsque ou obéissant, la Bible dit l'obéissance. Mieux vaut que le sacrifice. Lorsque vous obéissez, bon Dieu, ça va passer. Vous allez manger les meilleurs fruits du pays. Amen, oui. Lorsque vous obéissez, bon Dieu, vous êtes un enfant obéissant. Ou pas un enfant rebelle, parce qu'il y a deux types d'enfants. Enfant rebelle et enfant obéissant. Lorsque vous obéissez, bon Dieu, alléluia, ou souffrir pour bon Dieu, ou d'accord, malgré qu'on parle, pas de bon de l'eau pour bre, malgré qu'on parle, pas de bon manger, malgré qu'on parle, ou pas de nos amis, ou pas éloigné, alléluia, famille, regardez, allez, fais même ça avec Abraham, fais même ça avec Moïse, alléluia, Moïse, pas de juif famille, même genre tout papa, alléluia, même genre toute Marie, t'es joué madame, ni pas de jouil, lorsque c'est servante, serviteur, bon Dieu, ou c'est affaires, bon Dieu, ou c'est business, bon Dieu, ou c'est wash, bon Dieu, ou son ballon, mais bon Dieu, par lui, à nos pères, bon Dieu, quand elle veut voyer, il voyait où? Quand elle dit, allez, parce qu'on ne peut pas mettre tête où? Ou on travaille avec le monde, ou on travaille avec Jésus-Christ. On dit merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On nous garde l'autre verset ensemble avec nous. En 1 Thessaloniciens, il parle de couronne de joie. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Alléluia, le verset 19. Alléluia. Il dit, quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. Okay, il parle là de deux couronnes, mais il y a une couronne qui est importante, c'est couronne de joie, tous les deux importants, mais couronne de joie. Et puis il dit, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alors que moi-même, ensemble avec vous qui travaille pour le Seigneur, nous avons couronne ça que nous avons pour recevoir. Couronne de joie. À part de couronne de gloire, mais couronne de joie que nous avons pour nous recevoir. Ça fait que, fait qu'il y a un content là, attendez. Fait qu'il y a un content là, ça fait que, après, Paul parle dit, dans Philippiens, Romains, Philippiens, chapitre 4, verset 4, Paul dit, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Romains, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, pour la bénédiction abondante qu'il a répandue sur nous dans sa grâce. Okay? Nous devons réjouir nous, pour bénédiction au bon Dieu. On m'en, ben nous, on m'en, lorsque nous vivons dans la grâce,
ou même qui travaille pour bon Dieu, fait qu'il y a un content sur la terre. Parce que dans la joie, dans le ciel, il y a un style de vie qu'on peut mener. C'est la joie. Ça fait que, autant de ça que, nous va oublier tout tracas nous passer lorsque nous rentrons dans celle-là un jour. Parce que dans le ciel, dans la présence de Dieu, nous avons dans la joie. Même les gens qui déjà devant nous, quand ils sont dans la présence de Dieu, ils ont commencé à anticiper là, la joie. Ils n'ont pas de maladie encore. Ils n'ont pas de souffrance encore. Ils n'ont pas de tête de charge encore. Ils ont de la joie. Yo pas dans dit bon, m'a dormi là m'bra levé. On m'a dit travail mal travail, mon a persécuté ou. Mon a parlé au mal. Non, yo dans la joie. Pas de maladie encore. Yo dans la joie. Pas de souffrance encore. Yo dans la joie. Tendez ça, Luc dit dans Luc chapitre 15, le verset 7, il dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ouais, qui joie qui est dans le ciel là? Lorsque un pécheur, un seul pécheur repenti, il y a un pile joie dans le ciel. Lorsqu'on prêche l'évangile, il accepte Christ, il y a un pile joie dans le ciel. On parle alléluia. Jésus-Christ de la joie, les anges de la joie, qui ont fait dans le ciel là. Il la joie, même si on commence à anticiper joie ça sur la terre. Il la joie dans le. Avec Mabdou, gardez ma courage, continuez de travailler. Parce que il la joie dans le ciel. La couronne de joie sera notre récompense là où Dieu essuiera toute l'âme de nos yeux. Et où la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Alléluia. Nous prenons de la joie. Parce que côté la pierre, nous avons pied Christ. Pas de maladie encore. Pas de souffrance encore. Pas de la mort encore. Pas de parler mal encore. Pas de prévu pour prendre le pouvoir. Alléluia. Pour aller dans tel pays encore. Pas de lever le travail encore. Alléluia. Pas de parler mal encore. Pas de critique encore. Pas de affaire le temps nous pour y aller avec coup de poudre, avec coup de magie, ou abdala, la joie parce que Christ a une serviette dans elle. Christ a un choix dans elle. Alléluia. Il prend le sujet tout le monde dans les yeux nous. Alléluia. Regardez, papa le guide dans les yeux encore. Ou papa le crie encore. Ou écrit ou crier là, c'est pour un titan. Dans sa roue là, c'est pour un titan. Dans soi, pas qu'à comprendre, c'est pour un titan. Mais lorsque nous arrivons dans le ciel, la parole de Dieu dit comme ça que, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4, il dit, il n'y aura plus ni deuil, pas de la mort, pas de crier, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Ça, douleur, yo, problème, ça, les choses destructibles, les choses passagères, les souffrances de ce monde, ils ont tout disparu. Les soucis de la vie, ils ont tout disparu. Nous pas de souffrance encore. Nous pas de tête de charge encore. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Cinquième couronne, c'est la couronne de vie. On nous dit la vie. La vie. La vie, ça, ce n'est pas la vie biologique. Mais c'est la vie, Zoé, qui est la vie de Christ. Ça que Christ a communiqué à Nicodème. Qui c'est nouvelle-né? Nouvelle naissance. Régénération. Tous les chrétiens, tous les sauvés. Nous recevons la vie ça. Si nous acceptons Christ tout le monde, nous recevons la vie ça. Lorsque nous acceptons Christ comme sauveur et mettre la vie nous, et puis la vie ça rentre. Et puis l'habiter. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, il dit, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse ou de tribulation. Tribulation signifie tripsis, détresse, calamité, angoisse. Et puis il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie.
Sois fidèle, malgré les persécutions, malgré les prisons, parce que un pile non vrai serviteur bon Dieu, qui déjà devancé nous, lorsqu'on prend chrétien, dans la première ère chrétienne, et lorsqu'on lit le livre hébréen, lit Baou, quelques en lit des cris, ou prendre quelques souffrances que les chrétiens, non seulement les parlaient de les prophètes, j'ai dit qu'on a souffri, les anciens, j'ai dit qu'on a souffri, mais libanais nous aussi, chrétiens en première ère chrétienne, comment que les apôtres, les disciples de Jésus-Christ, les chrétiens, au bon nom, filles ou garçons, timoun ou grémoun, gens qui ont été souffri, qui ont été persécutés, au bon nom, à cause de Jésus-Christ. Mais chrétiens, ça y est, t'es fidèle. L'église d'aujourd'hui, gon faible reste, malgré où je n'ai pile l'église, yo existe pas, non. Au bon, yo existe parce que y a l'argent. Ils existent parce qu'ils ont une popularité. Ce n'est pas fidèle, ils sont fidèles. En dans l'église, ça y est, ils mettent Christ dehors déjà. En dans l'église, ça y est, c'est Diab qui a gouverné. En dans l'église, ça y est, il y a immoralité. Au bon, il y a toutes sortes d'immoralité. Parce qu'il y a dans tout tête. Au bon, c'est Gagot qui gagne dans l'église, ça y est. Ils ne sont pas fidèles, non seulement dans l'argent. Au bon, dans la vie spirituelle, dans la famille, dans le travail, ils ne sont pas fidèles. En d'autres termes, sur l'église. Babylone, mon monde ça y est pas fidèle, mais pendant que gagne monde qui pas fidèle, Christ dit gon faible reste, ça qui marche ensemble avec lui en vêtement de blanc. Alléluia, alléluia. Gon faible reste à lui qui fidèle avec Christ. Il dit sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Dernière phrase ça, femme font rétrospective, femme font garder par derrière pour m'absorber la parole. Jésus te dit. Jésus dit avec le peuple d'Israël, aujourd'hui même, choisissez le Dieu que vous voulez servir. Même moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus était ouais, Jean Peplin, t'es idolâtre. Jésus était ouais, Jean Peplin, t'es tombé dans l'idolâtrie. Peplin, pas de fidèle envers mon Dieu. Peplin, t'as adoré d'autres dieux. Peuple Israël, t'es qui courait, t'es Dieu. Jésus dit bon, assez, c'est assez. Enough is enough. Aujourd'hui même, choisissez le Dieu que vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Jésus veut dire, même si je ne suis pas fidèle à bon Dieu, moi-même, je suis fidèle à bon Dieu. Parce que je me songe que bon Dieu te prend. Je me songe que bon Dieu est ensemble avec moi. Le peuple d'Israël est gras. Quand tout le monde est dans l'église, il est gras. Il est gras, il traite bon Dieu. Malgré bon Dieu investi dans eux-mêmes, il n'a pas baissé sa considération. Ils n'ont pas valorisé le sang de Jésus-Christ. Ils n'ont pas baillé le sacrifice de Jésus-Christ. Importance li. Eh bien, moun sa yo qui n'est pas fidèle envers mon Dieu, pas de protection pour yo. Amen. Dieu n'a pas gardé yo. Mais bon, même si ma voix qui est fidèle, Christ dit que je te donnerai la couronne de vie. Cette couronne est pour tous les croyants, mais elle est particulièrement précieuse à ceux qui souffrent. Qui subissent la persécution pour Jésus-Christ, même jusqu'à la mort. On demande couronne ça pour tous les croyants, mais pour le monde qui persécute même pour Christ. Lorsqu'on prend l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, le verset 16 ou le verset 17, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps la marque de Jésus. Il y a des gens qui peuvent souffrir qu'on est pour Christ. Ils ont tombé dans l'immoralité, ils ont tombé dans blanchir l'argent, ils ont vendu tête. Ils sont entrés dans l'écumédic, ils sont entrés dans la sorcellerie pour l'église, ils ont marché, puis ils ont gagné l'argent parce qu'ils ont une folie, ils ont une belle machine, ils ont une folie, ils ont une belle caille, ils ont une folie, vivre à l'aise sur la terre. Ils n'ont pas qu'à attendre, mon Dieu, ils n'ont pas fidèle. Mais Christ dit que les gens qui suivent lui, ils doivent fidèles. Les gens qui suivent lui, alléluia, ils doivent persécuter. C'est même l'apôtre Paul qui pourra le dire toujours dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Il dit que ça que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Tout le monde qui veut vivre paisible, tout le monde qui veut vivre fidèle pour Christ, va persécuter.
ou avec toutes sortes de qualités de persécution, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Non mais sur la caille, yo qui doit pas vouloir pas regarder à cause de l'évangile, sois fidèle jusqu'à la mort. Yo qui doit pas vouloir sur YouTube, sur Facebook parce qu'on m'arrête tout. Alléluia, parce qu'on pas mettre permanente ou pas mettre allonge ou pas dans un nom ou pas dans chaîne. Yo qui doit jouer. Alléluia, mais ou même c'est dépouiller ou dépouiller ou voulez fidèle à Christ, m'a dit sois fidèle jusqu'à la mort. Ou qui doit pas n'importe pourri moun, sois fidèle jusqu'à la mort. You can yo parle mal, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dans les Écritures, le thème vie est souvent employé pour exprimer une relation juste avec Dieu. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. Et que moun qui fidèle avec Christ, qui sera baou, la couronne de vie. Ce matin, Christ a beau la couronne de vie. Ce Monique, couronne de vie. Ce Madaï, tous les chrétiens, tous les sauveurs, Christ a beau qui ça, la couronne de vie. Pasteur Jameson, couronne de vie. Tout comme l'air, la nourriture et l'eau sont nécessaires à la vie physique. Jésus est nécessaire à la vie spirituelle. Il est celui qui donne l'eau vive, le pain de vie, selon Jean 4, le verset 10, 6, 35. Bon Christ, c'est lui-même qui baille de l'eau vivante. Christ, c'est lui-même qui baille, bon, qui baille pain de vie, et c'est lui-même qui paie de vie. L'eau fidèle, ouais, la manne qui symbolisait, qui sont figures de Pessa, la manne, bon, je te baille pour un titan. Ah ben oui, après ça, peuple a devenu grand goût. Mais le pain de vie qui, au moment qui c'est une figure de la manne, au moment de l'Ancien Testament, surtout la loi, alors pain de vie ça, bon, je te baille pour tout le temps, et c'est bon Dieu même, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis, alléluia, le pain de vie. Au moment de l'eau qui baille la vie, hein, c'est Christ. Depuis sur la terre, nous recevons. Lorsqu'elle arrive dans le ciel, là, nous avons une couronne que nous pourrons recevoir. La couronne de vie. Et pas tout le monde qui a recevoir la couronne, ça. Le monde qui lâche, pas de couronne, ça. Notre vie terrestre prendra fin. Mais tous ceux qui viennent à Dieu par Jésus ont cette promesse extraordinaire. Selon 1 Jean chapitre 2, verset 25. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Mais ça, Christ promet. Abraham qui travaille pour lui là, la vie éternelle. Jameson, ou que la vie éternelle. Même si vous ne parlez pas, ou que la vie éternelle. Même si vous parlez mal, moi que la vie éternelle. Ça fait cagado. Ou moi nous parlez mal, ou fait tout ça, moi que la vie éternelle. Si je t'amour là, moi connais que la vie éternelle. Moi prends loin de Christ, n'importe ça que tu as passé. Moi dans l'avion, n'importe ça que tu as passé. Mal loin de mettre moi, parce que moi que la vie éternelle. Ou même que là, ou même que attendez, n'importe ça que tu as passé. Moi je vais mettre tout. Ou que la vie éternelle. Jacques dit que cette couronne de vie est pour tous ceux qui aiment Dieu. Non, Jacques, 1er verset 12, qui ça le dit? Il dit comme ça que l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur Jésus-Christ a promise à ceux qui l'aiment. La question est alors de savoir comment exprimer notre amour pour Dieu. L'apôtre Jean répond, en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau. Et Jean 5, le verset 3. Moi-même, ensemble avec vous, nous devons respecter le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu n'est pas un fardeau. Ou même que mon Dieu déjà promet la vie éternelle, respecter mon Dieu. Vive bien, marchez droit devant mon Dieu. Oh bon, vive fidèlement. Pas garder sous monde. Pas garder sous monde qui a fait bêtise. Pas garder sous monde qui a vu une immoralité. Pas garder sous monde qui a fait zéro tout neuf. Pas garder sous monde à lui à cap vivre dans fornication ou bien adultère. Alléluia. Le salut est personnel. Lorsqu'on aime mon Dieu, alléluia, ou respecte mon Dieu, ou marche droit. Couronne ça yo. C'est couronne ça yo. C'est pour les travailleurs.
moun ki t'ap travay bien. Alléluia, moun ki te focus dans bon Dieu. Nous pral terminer. Est-ce qu'on senti ou gon ti bagay ki capable bon problème devant tribunal de Christ pour pas recevoir yon nan couronne sa yo? Non mais travail pour ça. Dis bon Dieu, faut grâce. On man travail pour couronne de vie. Travail pour couronne. On man travail pour couronne indestructible. Travail pour couronne de joie. Travail pour couronne de justice. Travail pour couronne de gloire. Et travail pour couronne de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La prétourne encore. L'été allé. La prétourne encore. La vigne chercher l'église. Maintenant, la vigne chercher nous. Nous ne savons pas si c'est aujourd'hui, c'est demain, parce qu'elle est imminente, mais la vie nous cherche nous. Zami, mais est-ce qu'on prépare? Pendant quoi, nous, est-ce qu'on prépare? Pendant sur Facebook, YouTube, est-ce qu'on prépare? Pendant on dans l'église là, ou grand pillage, ou grand pile popularité, est-ce qu'on prépare? Pendant madame pasteur, pendant musicien, pendant diakona, pendant diac, est-ce qu'on prépare, Zami? Est-ce qu'on prépare? Nous devons nous préparer. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Le moment ça. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions pour grâce que vous accordez nous. Pour nous être capables là, aujourd'hui, pour nous être capables de réunir, pour nous louer, nous exalter nous, et pour nous être capables bon opportunité pour parler ensemble avec nous à travers ces vidéos. Merci pour parole ça. Quelle parole ça rentre dans l'inconscience nous, dans la subconscience nous, dans la conscience nous, cher Seigneur. Aidez-nous pour nous servir, pour nous marcher bien devant nous. Nous m'en prie, couvrez-nous avec grâce. Chaque monde qui t'attendait, quel que soit à côté qui vous ayez, nous clamons faveur ça pour vous, grâce ça pour vous. Si vous êtes malade, physiquement aussi, nous demandons guérison pour vous, cher Seigneur. Ça a une difficulté, nous demandons résoudre pour problème ça pour vous. Pour gloire, non, cher Seigneur. Et nous m'en prie, fais-nous toujours prêts, prépare-nous pour l'enlèvement jusqu'à ce que vous retournez venir chercher. Que ton Seigneur soit béni, soit glorifié, soit exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de Père vous sanctifie nous-mêmes tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. Et c'est lui qui le fera. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste me la donnera en ces jours-là. Alléluia. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé ou attendu à son avènement. Que Dieu vous bénisse et passez une semaine en Basel, Jésus-Christ.